Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Ça y est, les années 90 ont débuté, les enfants. Ça y est, on s'en rapproche de plus en plus, et bien de l'ère 2010 où nous sommes, et bientôt de l'ère 2020 où nous serons bientôt. Eh oui. Et notre temps avance, et dans le Decades aussi, ça avance. Eva est devenue adolescente dans le dernier épisode. Comme vous pouvez le voir, elle est redevenue blonde dans son état naturel. Je sais, vous étiez tout plutôt content qu'elle soit d'un seul coup rouge. Genre, ah, mais c'est bien, on pourrait pas être belle et tout ça. Oui, mais en fait, vous verrez bien son look. Je pense que ça va quand même vous plaire. On n'est pas à l'abri, hein, mais voilà. Alors, je vais vous lire tout de suite les règles pendant que... C'est qui ça? C'est Gisèle qui fait de la balançoire. Nous allons lire tout de suite les règles. Enfin, je vais vous lire les règles des années 90. Elles sont courtes, il n'y a pas grand-chose. Alors, quand votre quatrième génération deviendra adolescent, c'est le cas. Tous les ordinateurs sont disponibles pour les jeux vidéo et l'écriture seulement. Ah oui, c'est-à-dire que je pourrais enfin mettre un ordinateur dans la maison. Enfin, je pouvais déjà en des années 80, j'avais dit que j'allais attendre et bah là, je vais commencer à le mettre, quoi. Effectivement, ils ne pourront pas trop faire grand-chose, mais bon, jouer aux jeux vidéo, c'est ce qu'ils font le plus la plupart du temps. Vous pouvez utiliser votre cellulaire. Bon, je l'avais déjà fait hein, pour organiser des événements et tout. C'est un peu sinon impossible de le faire. Emploi permis pour tous. Les femmes peuvent occuper les mêmes postes que les hommes. Nous avons les affaires, la peinture, médecin, scientifique, cuisine, artiste, athlète, criminel, agent secret, détective, journaliste, astronaute, politique, gourou des technologies et jardinier. Comme ça, il y a le choix. Piscine du pack, saison débloquée. Oups, est-ce que et la dernière fois, j'ai fait un peu l'aménagement dans le jardin et j'ai rajouté la petite piscine pour la petite bambine. Bah, sorry, du coup, bah, elle n'est pas encore utilisée. On peut dire que bah, j'étais un peu en avance. Hein, voilà, les deux symboles sont mainstream et ils savent déjà quelle sera la prochaine tendance. Objet gonflable débloqué, lit bambin, jeu de glissade. Et moi j'ai mis une bouée. En même temps, on savait pas que les bouées allaient arriver, donc on l'avait pas mis dans les règles. Et bah là, la bouée, bon bah elle a pas encore été utilisée non plus. Donc pour l'instant, je suis quand même dans les clous. J'ai juste un tout petit peu d'avance. Et ensuite seulement, le rap arrive. Voilà pour les règles. Bien sûr, comme on se rapproche de plus en plus de notre ère, il y a de plus en plus de choses débloquées. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc tout simplement, on va attendre maintenant. Que ça grandisse là-dedans, que ça grandisse et que ça se lève, comme vous pouvez le voir, le petit Lionel, il a un nouveau look pour une nouvelle vie. Hélène aussi, peut-être abandonner son look rock punk, mais ne vous inquiétez pas. Eva a donc été relookée. J'ai revu une petite tenue pour Esther et Laura, comme je venais de le faire, j'ai rien touché. Et Anaïs, elle reste semblable à elle-même pour la petite bambine qu'elle est. Tu peux me faire une sieste cocotte, s'il te plaît? Parce que là, tu vas m'enquiquiner, tu vas pas venir réveiller ta sœur. Ça va pas commencer! Moi, je te le dis. Ça commence à se lever. Je voulais vous faire un petit focus. Ah, s'il te plaît, cocotte, s'il te plaît, juste attends. Attends-moi, attends-moi. Pour que vous voyez la belle, la très très belle, la magnifique Eva, c'est tout sa mère. C'est entièrement sa mère, donc forcément je vais que l'aimer, cette petite. C'est la tête d'Hélène, avec les yeux un peu plus, beaucoup plus en amande de son père, et bah, le teint un peu plus bronzé, mais c'est tout sa mère. C'est juste impressionnant. Elle est vraiment très 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 belle. Donc bon, pour l'instant, moi, la relève, je vois bien la petite Eva. Après, c'est normal si vous voulez changer, hein, on verra bien avec les filles. De toute façon, on aura le choix. On aura quatre filles. Et qu'est-ce que tu viens faire dehors, enfin là-haut, toi? En plus, toi, tes sourcils, ils sont redevenus encore une fois bruns, tu me casses les pieds. T'as jamais les sourcils qu'il faut, toi. Mais bon, la petite, après, comme on est samedi, on n'a pas grand-chose à faire, on attend que tout le monde se réveille et soit en forme. Et bien, par exemple, Laura, elle va faire un petit peu eh bien, du kit médecin. Elle va prendre son petit déj, des brownies qui vont bien. Mais elle est très, très jolie, vraiment. Donc pour une première, c'est une très belle réussite. Hein, on va pas se mentir. Alors du coup, je lui ai laissé la coupe de cheveux comme ça avec ses tresses, que ça lui allait super bien, mais en blond évidemment parce que elle est blonde de base. Hein, il faut pas l'oublier. La belle Hélène est levée. Elle va aller prendre un petit déj. Ta-da-li-da-da. Et elle a bien raison. Oula! Ce fut un bug magnifique. Merci de nous l'avoir partagé. Elle a pas changé. Hein, Hélène, elle est toujours magnifique. Hein, donc voilà. La petite Eva, je lui ai emmené courir un peu. Oula!
Ah oui, ma pauvre. Oui, ah bah tu vas vite filer à la douche, hein. Viens prendre une douche, ma belle. Regardez-moi ce look. Ah non, je vais vous le montrer après parce que là, elle est toute sale et ça rend pas bien. Hein. Et puis les filles, elles sont en train de discuter ici. Elles sont trop kiki, hein, elles sont trop mignonnes. Voilà, je vous montrerai après le look. Oh là là, demain c'est la fête de la musique. Et oui, depuis les années 80, c'est la fête de la musique. Et donc, bah, c'est demain dans les Sims. C'est cool! Ça va jouer de l'instrument un peu partout, ça va être cacophonique, ça va être un bonheur. Voilà le style d'Eva. Et ouais, vous ne rêvez pas, elle a un pull Nirvana. Parce que bon, alors là, on est à peine dans les années 90, mais les années 90, c'est surtout un très fort mouvement du grunge. Grunge avec Kurt Cobain à sa tête. Et quand j'ai trouvé ces CC-là, j'ai dit non, il faut absolument que je les mette. Donc, j'avais le choix entre là, une mode fluo, large, pas terrible, c'est ce qui m'emballait beaucoup moins dans les années 90. Mais j'avais complètement oublié le bonheur de la mode grunge. Donc, bah, Eva. Elle est grunge. Et puis regardez-moi ça. Elle a le sac banane. Mais oui, c'était les années 90, hein, c'est pas 2010, hein, c'est pas 2019 le sac banane. Hein. Ça date des années 90. Et donc Eva, elle est à fond. Et elle a un pur look. Et encore, c'est qu'une tenue que vous voyez là. Mais elle est trop trop belle. En plus d'être belle, je me suis éclatée à la relooker. Elle est. Ça a été un vrai bonheur. Quant à Lionel, ça s'est assagi. Au revoir la coupe mulet. Bon, il y en a qui seront contents hein, de voir la coupe mulet. J'ai quand même voulu garder une certaine longueur dans ses cheveux et je lui ai remis la barbe un peu en entier. Voilà, c'est surtout au niveau style en tant que tous les jours que ça a changé. Sinon, bah, de tête, c'est toujours le même. Hein, c'est toujours le petit Liolio. Et la petite Lélène aussi. Ma belle, est-ce que tu pourrais... Va te doucher, comme ça tu pourras t'habiller et montrer une de tes nouvelles tenues, etc. Et après, comme ça va être son anniversaire, surtout, bah, on va préparer le gâteau et tout ce qu'il faut, quoi. Et réinviter la famille, comme si on n'en faisait pas déjà tous les jours. Oui, elle est magnifique, j'adore. Résolution de conflit. Ah, arrêtez de m'enquiquiner. Ah, mais c'est trop kiki! C'est même pas moi qui l'aurais dit. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle... Elle est où? Oh, mais mon Dieu, elle a emmené sa petite sœur dans la petite piscine! Ah, oh, c'est trop chouki! Ah, mon Dieu! Bon, ben voilà, au moins ça aura servi, ça y est, hein, ces années 90, c'est officiel, donc... La petite avec son petit maillot, c'est trop kiki, j'adore. Et puis, Eva, quoi! Oh my god, Eva, t'es beaucoup trop belle, quoi. Bon, on va attendre que toutes les filles grandissent, mais pour l'instant, Eva, oh my my, hein. Ah, ouais, trop chou! Voilà le look. Ah, ça change, hein, Lionel. Ah, ça change, hein. La vieille chemise grande et tout, toute pas belle. Bah, ça, c'est les années 90 pour les hommes. Voilà. J'aurais pu jouer sur le grunge aussi, mais bon, je me suis dit, en même temps, il est déjà adulte et tout. On va la jouer un peu soft, un peu papa, quoi. Un peu papa. Et notre belle Hélène. Regardez-moi ce look. Voilà. Voilà, ça c'est le look d'Hélène. Les cheveux sont beaucoup plus sages, le maquillage reste le même, il y a encore des couleurs, tout ça, mais... Oh my god, finalement j'ai réussi à trouver des fringues vraiment trop cool pour cette décennie et je suis vraiment ravie. Mais qui est cet individu qui vient frapper à notre porte à moitié nu? Mais on vous connaît pas? Julien Mays? Non, 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 je te connais pas. Là, je te connais pas. Alors, très bonne réputation pour Liolio. Et deviens bonne amie avec... Eva, ça c'est cool parce qu'il vient de l'aider à faire ses devoirs et puis voilà, elle lui a fait ses devoirs. Oh, regarde, il y a ta petite aussi qui est là. Ma petite biche. Tu peux faire quoi avec elle? Tu peux lui parler à ta fille. Illumina journée, qu'est-ce que tu fais? Mais elle est partie! Elle fait plus ses devoirs! Et s'ils sont buggés, hein, mon Dieu. Mais ce look de papa, quoi. C'est vraiment un look de papa, Lionel. Ça me fait tellement rire, cette histoire. Voilà, tu vas faire un câlin à ta fille quand même et tu vas jouer un petit peu avec elle. Oh, vous allez trop être kiki, moi je le sens. Ben dis Esther, tu manges déjà les gâteaux que maman a préparés pour son anniversaire là. T'exagères, hein, franchement. Mais bon, tant pis, il faut bien les manger, hein. Pendant que Lionel est en train d'apprendre les bonnes manières à Laura. Apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Oh punaise, oui, c'est vrai que tu dois faire pipi, mon petit. C'est pas grave, comme un bon papa, avec ton look de papa, tu vas lui apprendre à dire les choses bien comme il faut. Mais bon, je suis sûre que c'est des bonnes filles, hein. Alors pourquoi Laura? Parce qu'elle était là et qui discutait, hein. Sinon, ça m'aurait pas dérangé de faire ça avec une des autres, hein. Pas forcément sa propre fille, vous voyez.
Allez, les dernières plantes du printemps. Bon, peut-être, il y en a. Ouais, non, elles vont revenir. Bon, voilà, les jacinthes, elles seront encore là, mais. On s'occupe un peu des plantes, hein, parce qu'après, c'est la fiesta, Malélène. Tu vas devenir une vieille. Non, elle va devenir adulte seulement, mais bon, ça fait mal au cœur quand même, quoi. C'est l'Hélène. Allez, que la fiesta commence. Oh, ça se change, ça se change. Bon, les autres sont. J'ai pas pu inviter ma propre famille parce que, bah. Les places sont comptées déjà que j'ai pas pu inviter tout le monde des amis. Donc, bon, voilà, hein, on va faire. Alors, on va préparer des boissons. Tu vas préparer un splatal. Ça, allez. Vu que t'es la seule qui est invitée. Nous avons invité Manon. Donc, c'est cool. Forcément, Hélène, elle doit tout faire le taf. Hein, pour GQL qui va comptabiliser dans le. Dans l'histoire, parce que, vous voyez, eux ils dansent, mais ils sont pas été invités, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Préparer les boissons, t'as déjà sur deux, c'est cool, tu peux servir encore la boisson, bah ça, à la sève de cerisier, ce serait cool. Puis tu vas aller remercier les gens d'être là. Nadine! Salut Nadine! Ah, Nadine, elle s'est dit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle est contente qu'Hélène soit là, oui, bah c'est logique. Ouh là là, la toute beauté! Alors oui, il y en a que j'ai relooké, hein, si vous le reconnaissez pas. C'est le mari de Geneviève. Alors Geneviève aussi est passée par la case relooking comme Joseph. Ils sont un peu méconnaissables, hein. Les années 90 sont frappées par là. Cette jeune fille que vous voyez ici, eh bien c'est la une des filles de notre petit Joseph. Donc c'est celle qu'il a eue avec Monique. Donc la sœur de Manon. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est la cousine donc des filles. Elle est plutôt jolie, je pense. C'est le mieux réussi des trois enfants de Joseph. Parce que les autres sont vraiment pas terribles. Ah, quelle beauté cette Hélène quand même, j'en reviens pas. Regardez-moi ça. Elle traverse les âges et elle est toujours aussi magnifique. Ah, ça en est jalouse. Hein. Oh my God. Là, c'est Joseph. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah oui, il a bien changé. Attention, bon, il a mis le t-shirt Metallica hein, pour quand même, hein, il faut pas déconner. Mais voilà, c'est Joseph. Hein, adieu les cheveux longs, la coupe mulet et tout ça. Voilà, c'est Joseph, le nouveau look. Ah, et c'est son garçon ici. Attendez que je revienne. Là, c'est son fils, Philippe. Ils sont tous les trois devenus adolescents, les enfants de notre. Mais arrête de tourner! Mais oh, c'est pas possible, je vais pas réussir à l'avoir. Je vais lui laisser s'asseoir parce que là, ça commence à m'agacer. Et en plus, c'est un alcoolique. Bien, voilà. Et donc, ça, c'est le fils de notre petit Joseph National. Donc, il est pas dégueulasse, hein, mais il est clairement pas aussi réussi que sa sœur et demi-sœur et cousine. Bref, il commence à avoir du monde. J'avoue que je n'ai pas encore fait vraiment. Il y a un embouteillage. Tout le monde, elle discute avec les invités. C'est trop cute, quoi. C'est vraiment trop sympa. Oh bon sang! C'est Suzanne Grimond, la grand-mère, qui est devenue vieille d'un coup, là. Oh, punaise, j'ai cru que c'était Hélène, mais on va pas tarder trop avec Hélène. Ah, il y a l'histoire du toast. Alors ça, qu'est-ce que tu fais, toi? Regardez. Non, mais tu devais boire un coup. Mais bois, j'ai envie que tu portes un toast, là. C'est quoi, cette histoire? Ah là là. Lionel! Je pense que t'as une vieille chemise de daron, que maintenant tu dois faire nawak. Ok, tu as un verre. Est-ce que... Ça fonctionne, parce que moi je n'ai jamais su comment faire. Non. Ok, super. J'adore le truc de faire un toast. Je n'ai jamais réussi à le faire, peut-être une fois, mais j'ai jamais réussi. C'est une catastrophe. Et ici, vous avez la dernière fille de Joseph, qui est donc la fille qu'il a eue avec. Ah non, 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 l'actrice, la star qui était habillée tout en rose avec les cheveux roses et tout ça. Bon, bah voilà, c'est pas un prix de beauté, hein, donc on retiendra que c'est pas la meilleure. Oula! Et puis ça fait un beau petit bug aussi, c'est magnifique. Allez, il est temps, Hélène, que tu souffles tes belles petites bougies. Allez. Happy birthday, Hélène! Happy birthday, Hélène! Happy birthday! Hélène, la plus belle. Et voilà, toute la famille et les morts nous ont envoyé un cadeau. Tu vas pouvoir appeler à table, effectivement. Oh, tout le monde souhaite son anniversaire, c'est trop mignon. C'est cool, merci d'avoir été là, tout le monde, c'est sympathique. Oh, c'est trop bien.
Dis donc, les amoureux, comment ça se passe entre vous? Ah, je crois que la fête est terminée pour tout le monde, c'est bien. Dis donc, t'as pris un peu du cul, Hélène, hein? Je dis ça comme ça, mais bon, c'est pas. Voilà. Mais vous allez vous décider, Lionel? Est-ce que t'aurais pas un truc à demander? Oui, voilà. Attention. Ils vont se marier, les amoureux. Ah, oh, c'est trop cool. Bah oui, il est temps quand même, après une vie sans encombre, ou presque. Oh, bah il doit pisser. Bonjour le romantisme, mais elle est fatiguée. Super! C'est d'un romantique, les enfants, on est ravis pour vous. Ah, oh, mais écoute, va pisser, hein, si t'as envie de pisser, mon gars. Je vais pas t'arrêter. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que. Voilà, ma pauvre. Tu vas me manger un bout de gâtal parce que là, ça va plus. Tu vas crever dans d'atroces souffrances. Mais voilà, ils sont fiancés, c'est cool. Voilà, c'était l'anniversaire d'Hélène. Je m'étais dit ce serait un super cadeau si Lionel l'a demandé en mariage ce soir-là. Et puis ben voilà, c'est fait quoi. Bah tiens, tu pourras aussi manger un truc si tu veux. Ben, ça va les filles, ça c'est gourmand tout le monde. Voilà, tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Ça va, Joseph, hein, avec ton nouveau look pour une nouvelle vie là. Avec ta fille qui est pas très belle, mais bon, on fera ce qu'on peut. Voilà, hein, on va faire ça. Et puis, bon, les anniversaires, ça va aller en suivant en ce moment. Hein. J'avoue que ça va se suivre, puisqu'après, on aura Esther qui va fêter son anniversaire et la petite Anaïs aussi. Ah, ben, elles vont fêter leur anniversaire en même temps, les deux. Donc, c'est cool. On aura une ado et une enfant en plus sur le palmarès de la famille. Donc, c'est pas plus mal. Bon, là-dessus, tout le monde, vous allez aller au lit, hein. Tout le monde, ouais. Elle galope, elle galope. Et va, tu vas manger un truc. Vas-y, tu prends un bout de gâteau et t'iras au lit. Ok, ce coup-ci, t'iras bien au lit. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans le lavabo, Lionel? Alors, voyez, il est censé pas aimer les enfants, il pense toujours à sa gamine, hein, comme quoi. Hein. Qu'avec sa chemise de daron, lui, il me fait trop rire. Alors? Oh là! Il a disparu! Il est revenu. Tout va bien. Oh, les amoureux! Vous allez me faire un petit crac-crac hein, pour fêter ça quand même, maintenant que vous voilà fiancés. Je vais pouvoir commencer à organiser un petit mariage! Et ça, c'est cool! Bon, bien sûr, je vais faire les anniversaires des filles avant, hein. Parce que là, on est quand même dimanche. Je pense pas que ce sera le mariage. Je sais pas! On verra quand est-ce qu'on fera le mariage. Quant à nos petits amoureux du jour, nos petits jeunes fiancés et notre jeune adulte, enfin notre adulte fraîchement adulte, on va dire, vont fêter ça sous un petit crac-crac sous la couette, tranquillement. Bon, vous avez pu voir aussi, j'ai pas fait d'amélioration pour la maison. Pour l'instant, j'ai déjà mis genre 2 heures à relooker la famille, alors je peux pas tout faire. En tout cas, oui, c'est bientôt l'anniversaire d'Anaïs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Regardez une petite pub sur YouTube aussi, si c'est pas encore fait non plus. Hein. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Allez, salut. Ouh!